بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله فسهل يا إلهي كل صعب من حرمة سيد الأبرار سهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé imam, celui qui nous a accordé la très grande richesse, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, d'être parmi la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la dernière des communautés et la première des communautés à entrer dans le paradis, incha'Allah. C'est le dernier vendredi du mois de Sha'ban. Inch'Allah, le prochain vendredi sera celui du mois de Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de tirer profit au maximum de ce mois béni. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde avant tout la vie pour pouvoir tirer profit au maximum de ce mois béni. La vie, kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde, quelle est l'heure, quel est le jour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fasse que lorsqu'on quitte ce monde, il soit content de nous et qu'il nous enveloppe de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, à travers ces différentes occasions, le moyen de se rapprocher de lui, de connaître sa proximité, et de vivre sa vie selon sa satisfaction, en conformité avec sa satisfaction. Ne l'oublions pas, la mort nous rappelle l'urgence de vivre. L'urgence de vivre convenablement et de tirer profit de cette vie terrestre avant de goûter aux joies de la vie céleste. Et le mois de Ramadan qui fait partie de ces occasions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous ce retour vers lui. Il attend que nous puissions connaître sa ma'arifa, sa connaissance, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et atteindre la taqwa, c'est-à-dire la piété. Un mois de Ramadan, avant tout de qualité, c'est un mois dans lequel on travaille un membre avec la qualité. On ne peut pas, chers frères en islam, vivre une bonne action sans au préalable préparer ce membre qui est primordial et qui est très important. Ce membre qui guide les autres membres. Shaitan, il est très malin. Shaitan, il a tout connu, il est passé par toutes les situations. Le diable, il est passé par toutes les situations. C'était le plus grand savant, le plus grand adorateur. C'était celui qui connaissait les moyens pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas travaillé un membre. Et ce membre, c'est le cœur. Et Shaitan, il connaît comment
attraper chaque catégorie de personnes. Celui qui est un savant, il sait comment trouver la faille chez le savant. Et il va lui inculquer l'orgueil. Parce que tu sais tout. Tu connais tout. Tu parles bien. On t'écoute. Il connaît. Il sait comment. Et celui qui vient à la masjid, il va lui dire, toi tu fais tes 5 prières quotidiennes. Tu es toujours dans le premier saf. C'est bien. Mais lorsqu'il est en dehors de la masjid, il vole. Il triche, il ment, il n'a pas un bon comportement. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Jamais Shaitan ne va dire, ne fais pas. Fais, mais on va trouver les failles. Et on va, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ » Il a embelli les actions. Jamais il va dire, « وَأَمَرَ شَيْطَانِ أَنْ تَتْرُكَ » Et Shaitan a ordonné de délaisser. Non. Il va trouver la faille. Et chez chacun d'entre nous, il connaît la faille. Parce que lui-même, il est passé par toutes ces étapes. Il connaît comment prendre. Et il va nous enfermer dans la forme pour nous faire oublier le fond. Voilà Shaitan. Il nous enferme dans la forme. La salah. Tu fais la salah. Mais lorsque je suis un commerçant, un businessman, ou bien je suis un professeur, je me permets d'insulter. Je me permets de manquer un respect envers autrui. Je me permets de tromper. Je me permets de tricher. Je me permets de faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il nous a enfermés dans la forme. Mais le fond, il n'y a pas. C'est pour cela, les mois de Ramadan passent. Passent et repassent. Mais rien ne se passe en nous pour changer vraiment comme il le faut. Il sait, Shaitan, il le sait. Et pour changer, il faut changer un membre. C'est le cœur. C'est ce cœur qu'on a besoin de changer pour que l'on change comme il le faut. Comme il le faut. Regardez, le hadith, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas. Alors, c'est très important de connaître les commentaires des hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les corps, les apparences, mais il regarde vos cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Regardez, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Je n'ai pas la barbe, c'est le cœur qui compte. Je ne fais pas la salah, c'est le cœur qui compte. Voilà comment on peut comprendre ce hadith. Je suis un musulman, alhamdulillah, mais tout se vit ici. Voilà, c'est pas le sens de ce hadith. Jamais. Je porte les pantalons sous cheville. C'est là il compte. Même une bonne personne, moi, je ne triche pas, moi. Regarde, c'est qui... regarde comment il nous fait parler. Celui qui fait la salah, premier saf, c'est un voleur. Le plus grand voleur, je peux te dire, c'est celui qui fait la salah, premier saf. Je ne pointe personne du doigt, hein. J'ai pointé comme ça. Regarde, je vais te montrer. Voilà ce que Shaitan nous fait dire. Le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Le hadith, voilà le commentaire du hadith. Le commentaire du hadith, il est le suivant. Allah subhanahu wa ta'ala s'attache aux apparences. Allah subhanahu wa ta'ala s'attache aux formes. Parce que si tu as une coupe de cheveux dégradée, c'est le cœur qui compte. My friend, check Mike. Hey, regarde ma coiffe. I'm from the States, my friend, from the States. C'est logique, lorsqu'on a un rendez-vous avec un homme, une personnalité, ou vient en t-shirt, ou vient avec ça va de deux doigts, ou ça rencontre le président, ou ça avec un tenue de plage. On a un rendez-vous avec le président, et où celle il est là. Hein. On arrive comme ça devant le président, non. Même si on ne l'a pas baigné, mais on va mettre 50 parfums pour sentir bon. Et on va dire les mouches, donne-moi 10 minutes, après je te reviens, s'il vous plaît. Give me 10 minutes. Comprends pas français? Donne-moi 10 minutes, j'arrive.
Give me 10 minutes and then you can come back. Non? Ah, on s'attache aux apparences. On a un rendez-vous professionnel pour un job. Comment on arrive? Même s'il faut emprunter, même s'il ne rentre pas sur moi, mais il sait mettre costume là sur moi. On est bien sapé. On est bien sapé. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attache aux apparences. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attache aux formes. Mais ce hadith nous dit que l'élément primordial et important pour pouvoir changer les apparences et les formes, pour amener les formes et les apparences vers une rectitude, vers l'apparence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vers le mode de vie de Rasulullah, c'est le cœur. C'est ce que ce hadith veut dire. L'élément principal de base qu'il faut travailler pour que les signes extérieurs et les apparences nous indiquent la qualité de cette apparence, c'est le cœur qui va nous le renseigner. Et ce qui veut dire que les membres traduisent l'intérieur. La forme traduit l'intérieur. C'est ce que ce hadith veut dire. La base. Ala wa inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala huwa al qalb. Il y a un membre, il y a un morceau de chair, que si ce morceau de chair il est correct, il est droit, tout le corps il est droit. Si ce morceau de chair il n'est pas correct, alors tous les autres membres ne seront pas corrects. Ala wa hiya al qalb. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est pour cela Imam Ghazali rahimahullah il dit wa a'malu hadhihi al jawarih tatarashahu min sifati al qalb. Idha aradta an tahfaz hadhihi al جوارح فاحفظ القلب وهي التقوى الباطن. Le résultat de les membres, le contrôle de la langue, du regard, le contrôle de tous ces membres-là, ne doivent leur rectitude ou leur corruption qu'à travers les qualités du cœur. C'est ce qui est important. Le cœur. Donc c'est pour cela, pour passer ce mois de Ramadan convenablement, et après le mois de Ramadan, et jusqu'à notre dernier souffle, c'est un combat permanent qui nous attend. C'est notre cœur. Il ne faut pas que ce cœur-là, le mois de Ramadan, c'est une clinique pour faire son auto-évaluation, son examen de conscience concernant ce cœur, les maladies spirituelles. Si je n'arrive pas à écouter la vérité, il y a un problème dans mon cœur. Si je n'arrive pas à changer, il y a un problème. Il faut que je change. La colère, l'orgueil, la susceptibilité, toutes ces choses-là doivent disparaître, inshallah, de notre cœur, pour que nous puissions vivre ce mois de Ramadan comme il le faut et ne pas rester dans la forme. La forme est une illusion. Le mirage est une illusion. Il y a la forme d'un puits. Il y a la forme de l'eau, de la présence d'eau. Mais lorsqu'on arrive près, il n'y a rien. Et ce cœur-là, comment on va connaître qu'il est bien? C'est lorsqu'on commet un péché. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais lorsqu'on commet un péché, tout de suite, on fait deux rakat naf et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite. On sait que c'est pas bien ce que j'ai fait. L'empire du cœur, c'est un empire que si on arrive à le dompter, Allahu Akbar, les autres empires vont changer. Les autres empires vont changer. L'empire des Tartares. Si vous lisez l'histoire de notre civilisation, concernant l'empire des Tartares, Édouard Gibbon, historien britannique, il écrit ce peuple en ce sens, il était tellement barbare qu'un Russe a pu s'évader de la Mongolie, de toute cette région de Bagdad, pour quitter et aller en Europe et dire aux Suédois, le peuple mongol est un peuple barbare qui tue tout.
C'est le peuple suédois, ils avaient l'habitude d'aller pêcher en Angleterre. Pendant un mois, ils ont arrêté la pêche en entendant seulement cette information. En 1258, il y a eu Bagdad qui a été rasé. 1258 du calendrier grégorien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'empire du cœur, il reprend, c'est tout l'empire qui embrasse l'islam. Subhanallah. Mon Abul Hassan al-Nadwi, rahimullah, il raconte cette histoire. Il dit, les descendants de Genghis Khan, il y avait un prince qui s'appelait Tughluq, Timur Khan, 1347-1363. Il est prince. Il arrive avec toute sa cour. Ils sont en train de chasser. Et là, il y a un homme pieux, Cheikh Jamaluddin, qui venait de Bukhara, qui était de Bukhara, là où Imam Bukhari, rahimahullah, est venu. Donc lui, il était avec ses disciples, et il n'a pas vu que c'était le territoire du prince. Donc, il a empiété le territoire du prince, et là, le prince, tout en colère, il dit, « Oh, toi, qui es-tu ?» Les gardes du prince l'arrêtent. Il dit, « Je m'excuse, je m'appelle Jamaluddin, je viens de Bukhara, je ne sais pas que ça, c'était ton territoire. Je suis venu avec mes disciples. » Dans une autre version, il lui demande, qui es-tu? De quelle religion tu appartiens? Il dit, j'appartiens à l'islam. Parce que les Mongols étaient des animistes. Il dit, dis-moi, entre mon chien ici et toi, qui est supérieur? Quand le cœur est travaillé là, subhanallah, voilà le résultat. Il dit, ton chien m'est supérieur si je quitte ce monde sans iman. Mais si je quitte ce monde avec iman, alors je suis supérieur à ton chien. Le prince, il entend cette réponse, il dit, mais qu'est-ce que tu répètes? Il dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il lui répète, il dit, mais c'est quoi cette religion? Il dit, lorsque je serai roi, viens dans ma cour, je te promets que je vais embrasser cette religion. J'ai jamais entendu une telle réponse. J'ai jamais entendu une telle réponse. Cheikh Jamaluddin, entre-temps, il retourne chez lui, il dit à son fils, parce qu'il savait que son heure était venue, Cheikh Jamaluddin. Donc il dit à son fils, Rashiduddin, il dit, lorsque ce prince, il deviendra roi, va le voir, viens de ma part, et dis-lui la promesse qu'il a faite. Alors, Cheikh Jamaluddin, il décède, Rashiduddin, son fils, le prince, il est devenu roi, et il attend. Et le fils Rashiduddin, il essaie d'avoir un rendez-vous à la cour avec le roi, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a vu que le roi était sorti, il y avait des tentes, et à l'heure d'une salah, il a commencé à donner adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Le prince qui était en train de dormir, il dit, mais qui fait, mais c'est quoi ce bruit? Alors, les gardes l'amènent. Il dit, je suis Rashiduddin, le fils de Jamaluddin. Ah, Jamaluddin, oui. Mais pourquoi il n'est pas venu? Il dit, Jamaluddin, mon père, cher Jamaluddin, il est décédé. Et je suis venu, il dit, subhanallah. Tout de suite, le roi, il dit, ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maintenant, il dit à ses vizirs, dans une autre version, il dit à ses vizirs, vous aussi, vous embrassez l'islam. Les vizirs, il dit, oh roi, ça fait bien longtemps qu'on a embrassé l'islam, mais on avait peur de ta réaction. Et dans une autre version, il dit que le roi, maintenant, lorsqu'il a embrassé l'islam, c'est tout l'empire qui embrasse l'islam. Tout l'empire. Vous imaginez tout un empire. Le roi, la porte royale s'ouvre. Le roi, il sort avec son tasbih. Il dit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Le peuple, tout le peuple, des millions de personnes disent, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lorsque l'empire du cœur a été conquis, les autres empires deviennent des jeux. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on s'attaque à l'essentiel, qu'on ne reste pas dans la forme, mais qu'on travaille cet élément essentiel qui va pouvoir réorienter nos membres, nos yeux, nos langues, notre façon de parler, notre façon de penser.
Et ça devient difficile, ça deviendra difficile pour nous de briser un ordre d'Allah. De briser un ordre d'Allah, ça deviendra difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Que ce mois de Ramadan soit pour nous, inshallah, si on a encore vie, un mois où on peut tirer profit au maximum de ce de ces occasions qu'Allah ce matin nous donne. Amin wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. La salat de Isha demain se fera à 19h30 inshallah, et n'oublions pas donc de faire doigt pour tonton Sadar Gora. C'est lui qui avait pris l'initiative et qui était responsable de pour les feuilles de comment de jeûne qu'on voit, le papier vert qui sortait dans le JIR. Il était le responsable. Subhanallah, quel mot Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, faut aussi qu'on puisse connaître ce genre de mort. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte tous. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Salam jazakumullah.